Restons debout un instant alors que nous courbons la tête pour la prière. J'aimerais qu'on se souvienne d'eux dans la prière alors que nous avons la tête inclinée et le cœur aussi. Voulez-vous simplement lever la main pour dire, oh Dieu, donne-moi ce que je cherche ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Notre Père Céleste, comme nous approchons maintenant humblement de ce grand trône de la grâce, par la foi, nous avançons dans l'au-delà, où Dieu et les anges et les chérubins et toute l'armée céleste est rassemblée, car il a dit que même un moineau ne peut pas tomber par terre sans que le Père Céleste ne le sache. Combien plus il sait alors qu'ici des centaines de personnes ont la tête inclinée et t'invoquent pour des requêtes spéciales. Père, pose ton regard sur ce monde qui est dans le besoin ce soir, car nous sommes des gens nécessiteux. Et je te prie, ô Dieu, que parce que nous sommes rassemblés ici et que nous t'exprimons notre foi en un Dieu vivant qui répond à la prière, nous sommes sortis du monde des incirconcis de cœur et d'oreille, sortis pour vivre une vie séparée et pour vivre en confessant notre foi en toi. Et ce soir, nous avons levé la main en disant, nous sommes dans le besoin. Cher Dieu, exauce chacune de leurs requêtes. Et Père, nous te prions aussi de nous visiter ce soir dans la parole. Nous venons ici pour être corrigés, pour comprendre, pour que nous sachions comment nous devons vivre en ce jour présent, à quoi nous attendre, quoi faire, car nous savons que la venue du Seigneur approche, d'après tous les signes que les prophètes ont prédits. Nous approchons du moment, Seigneur, où la délivrance complète sera donnée à tes enfants. Ô Dieu, que chacun de nous y soit, Père, qu'il n'y en ait pas un seul qui manque. C'est dans ce but que nous sommes ici, Seigneur. Nous t'aimons et nous essayons de nous préparer pour cette heure. Parle-nous, nous le demandons encore ce soir, et guéris les malades. Tous ceux qui sont malades et affligés dans la salle, nous te prions de les guérir, Seigneur. Et en particulier ceux qui ont des besoins spirituels. Nous te prions de sauver chaque âme perdue, remplis chaque croyant du Saint-Esprit, et renouvelle la force et la puissance dans tes enfants qui croient. Accorde ces choses, Père. Nous demandons beaucoup parce que tu nous as dit de demander. Demander en abondance. Demander de grandes choses, beaucoup d'entre elles, afin que nos joies soient rendues parfaites. Et nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'estime un grand privilège ce soir d'être de retour sur l'estrade de nouveau ici dans cette école secondaire pour faire face à ces braves gens qui se sont assemblés ici pour entendre l'Évangile. Je demande que la miséricorde de Dieu m'aide à vous dire la vérité, ce que je connais de la vérité. Il est encore capable de fermer la bouche d'un homme comme il pouvait fermer la gueule d'un lion. Et si jamais j'essayais de dire quelque chose qui soit faux et contraire à sa volonté, ma prière sincère est qu'il me ferme la bouche pour que je ne le dise pas. Car vraiment, je veux aller au ciel moi-même. Et jamais je ne serai là, et en tout cas, et plus de ça, je serai un faux leader, quelqu'un qui aurait fait quelque chose de faux. Si je le faisais, c'est que je ne saurais pas faire mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, demain matin, si c'est la volonté de Dieu, j'ai l'intention de parler sur ce sujet, mariage et divorce. Et nous espérons que vous viendrez apporter vos crayons et vos papiers, on ne prendra pas trop de temps, mais j'aimerais seulement, c'est le but premier pour lequel je suis revenu ici en Indiana, je vous l'avais promis, et j'essaierai demain matin. Si je ne le fais pas demain matin, je le ferai demain soir, mais je vais essayer demain matin, si le Seigneur le veut, de parler sur ce sujet. Les deux écoles de pensée, et que Dieu nous aide à savoir ce qui est la vérité, juste à savoir ce qui est la vérité pour que nous puissions marcher dans la vérité et dans la lumière. Vous savez, j'avais un vieil ami de couleur. Il me disait, « Frère Billy, je ne veux pas d'ennui au fleuve. » Il disait, « Je veux avoir mon billet en main, et quand le coup de sifflet retentira, je ne veux pas avoir d'ennui là-bas. J'ai demandé au Seigneur il y a longtemps s'il y a quelque chose qui ne va pas, que je le règle maintenant même. » Il disait, « Parce qu'il fera sombre et orageux ce matin où la barque partira pour l'autre côté. » Il disait, « Je ne veux rien qui s'interpose, je veux m'occuper de tout ça maintenant, c'est pour ça qu'on est ici, pour essayer de nous occuper de tout ce qui peut s'interposer pour qu'on puisse monter à bord en cette heure-là. » Maintenant, je ne vais pas vous parler très longtemps ce soir parce qu'on a deux réunions demain.
Et ensuite, je partirai directement pour ailleurs, pour une autre, d'autres réunions. Maintenant, dans le livre de Deutéronome, je voudrais lire au chapitre 16, les trois premiers versets, Deutéronome 16, 1 à 3. Observe le mois d'Abib et célèbre la Pâque. L'Éternel ton Dieu, c'est dans le quatrième mois d'Abib que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Maintenant, mon sujet ce soir, c'est le lieu d'adoration choisi par Dieu. Si vous remarquez, le mois ABIB, là, ça veut dire avril. C'est au mois d'avril que Dieu les a fait sortir. Et maintenant, la chose étrange, c'est que nous, ce soir, en tant qu'adorateurs de Dieu dans le jour dans lequel nous vivons, et nous trouvons tellement d'idées différentes des gens, et aussi longtemps qu'il y a des idées différentes sur une chose, qu'il y a plusieurs questions, il doit y avoir une seule vraie réponse à chaque question qui est posée. Si je posais la question, c'est quoi ça? Eh bien, il dirait, une chair. À quoi ça sert? Voyez? Maintenant, là, quelqu'un pourrait dire, ce n'est pas une chair, c'est une planche. Eh bien, c'est une planche, mais c'est quand même une chair. Vous voyez, il faut qu'il y ait une vraie réponse à ça. Et si je pose une question sur quoi que ce soit, il doit y avoir une vraie réponse. Il peut y avoir quelque chose qui approche, mais il doit y avoir une réponse vraie, directe à chaque question. Ainsi donc, à chaque question qui se pose dans notre vie, il doit y avoir une réponse vraie, correcte. Et maintenant, aujourd'hui, on entend dire tellement de nos gens dans le monde aujourd'hui, comme je suis missionnaire, j'ai fait plusieurs voyages outre-mer et autour du monde, et j'étais en contact avec beaucoup de religions différentes, comme Bouddha, et les musulmans, et les sikhs, et les jains, et quoi encore? Des religions du monde. Et puis ici, chez nous aux États-Unis, et d'autres pays étrangers, de rencontrer toutes nos différentes églises, comme nos églises dénominationnelles, en commençant par la catholique romaine primitive, et ensuite la grecque, et les différents rites, et ensuite jusque tous les âges dénominationnels de 900 et quelques dénominations protestantes. Maintenant, chacune d'entre elles, bien sûr, on peut voir leur idée, je ne veux pas leur reprocher, chacune croit qu'elles sont la vérité, qu'elles ont la vérité, et les gens qui appartiennent à ces églises devraient croire ça, parce qu'ils ont établi leur destinée éternelle sur l'enseignement de cette Église. Et elles sont tellement différentes les unes des autres que ça fait 900 et quelques questions différentes. Donc, comme il y a 900 et quelques questions différentes, il doit y avoir une réponse correcte. Et j'aimerais que nous, ce soir, puisque nous essayons d'aller au ciel et de rencontrer notre Seigneur Jésus que nous aimons tous, j'aimerais sonder les Écritures pour trouver ça. Or, si c'est une question biblique, alors elle devrait avoir une réponse biblique. Elle ne devrait pas pouvoir venir d'un groupe d'hommes, d'une certaine confrérie, ou d'un éducateur, ou d'une dénomination. Elle devrait venir directement de l'Écriture, où se trouve le lieu de rencontre de Dieu, d'adoration. Et certainement, puisqu'il est Dieu, il doit y avoir un lieu de rencontre quelque part où il se rencontre. Maintenant, nous découvrons ici que dans le Deutéronome, au début, Moïse répète l'Écriture, les choses qu'il leur avait dites, comment il les avait fait sortir par un grand bras puissant de l'Égypte et les avait établis au début. Ils étaient appelés le peuple de Dieu, jusqu'à ce qu'ils sortent d'Égypte, et ensuite ils étaient appelés l'Église de Dieu. En effet, une Église est un rassemblement. Ou en réalité, l'Église veut dire les appeler hors d'eux, ceux qui ont été appelés à sortir, et ils sont sortis d'Égypte pour être l'Église. Maintenant, Dieu leur avait dit, avant qu'ils aient établi le temple et tout ce qu'ils ont fait, « Je choisirai le lieu de mon adoration
et j'y mettrai mon nom. Et c'est le seul lieu où Dieu rencontrera jamais quelqu'un, celui de son propre choix. Il a choisi son lieu. Et là où il a choisi son lieu, il a mis son nom. Le verset 2 ici nous dit qu'il mettrait son nom dans le lieu qu'il avait choisi pour que les gens l'y adorent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver où est ce lieu. Avec 900 et quelques idées différentes, encore en mettant de côté toutes les religions païennes et en ne parlant que de la religion chrétienne, pourtant, j'ai de la sympathie pour les païens, sinon je n'irai certainement pas leur parler, mais ils ont tort. Le christianisme est la seule religion qui est vraie, c'est le christianisme. Et je ne dis pas ça simplement parce que je suis un chrétien. En effet, je crois que c'est la vérité. C'est la seule religion à avoir raison. J'ai été au tombeau où le cheval blanc est changé toutes les 4 heures, où Mahomet, un grand prêtre et conducteur, pas longtemps après Christ, on dit qu'il était prophète, et je ne doute pas qu'il l'ait été, tout de suite après les frères Maccabées. Mais il est mort, il a prétendu qu'il allait ressusciter, qu'il allait conquérir le monde entier. Maintenant, à peu près toutes les 4 heures, il relève la garde et il garde un cheval blanc à son tombeau. Ils le font depuis 2000 ans en s'attendant à ce qu'il ressuscite pour conquérir le monde. Et vous voyez, et vous prenez Bouddha. Bouddha a vécu il y a plusieurs centaines d'années, il y a environ 2300 ans, le dieu du Japon. C'était un philosophe, un peu comme Confucius et ainsi de suite. Mais tout cela, les fondateurs et ainsi de suite, ils sont tous morts avec leur philosophie et ils sont enterrés, ils sont dans la tombe. Mais le christianisme, qui a été établi par Jésus-Christ, il y a une tombe vide. Le seul homme qui soit jamais tenu sur la terre, qui ait vécu et dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la ressusciter à nouveau. Et il l'a fait. Et il est vivant aujourd'hui. Et nous savons qu'il vit, parce qu'il est avec nous. Et il nous en donne la preuve par des signes et des miracles physiques qu'il a promis de faire pour le montrer, au point que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert est avec nous aujourd'hui. Elle s'est même laissée prendre en photo. Elle accomplit les signes et les prodiges qu'il a promis qu'elle ferait en ce jour. Tandis que nous voyons toutes les paroles qu'il a promises se manifestent aujourd'hui. Par conséquent, le reste du monde païen n'est pas dans la course, c'est le christianisme. Maintenant, comme il y a 900 et quelques questions sur où Dieu se rencontre, il rencontre les méthodistes, ou il rencontre chez les baptistes, ou il rencontre dans ceci et cela ou autre chose. Or, il y a une question là. Alors que chacun doit rechercher son propre salut avec crainte et tremblement. Mais ce soir, je vais essayer de trouver et de prouver dans l'Écriture où est le lieu exact où les gens rencontrent Dieu et l'adorent. Et si c'est celui-là, alors c'est le seul lieu où il se rencontrera jamais. Maintenant, on a pris ce passage dans le Deutéronome, c'est un mot grec qui a un sens composé, où il veut dire deux lois. Le mot grec Deutéronome veut dire deux lois différentes. Et c'est exactement ce que Dieu a, deux lois différentes. Et l'une d'elles est une loi de mort, et l'autre est une loi de vie. Dieu a deux lois. Le suivre et le servir et l'adorer, c'est la vie. Rejeter ça, c'est la mort. Il y a deux lois en Dieu. Maintenant, l'une de ces lois a été dévoilée au monde au mont Sinaï. Dieu a donné la loi à Moïse et à Israël. Non pas que la loi ait pu les aider, mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs. Avant ça, ils ne savaient pas ce que c'était le péché avant d'avoir une loi. Il ne peut pas y avoir de loi sans sanction. Une loi sans sanction n'est pas une loi. Ainsi donc, transgresser la loi, c'est le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, avant que Dieu leur ait donné une loi, aucune transgression ne leur était imputée. S'il n'y a pas de loi ici qui dit qu'on ne peut pas, n'a pas le droit de rouler à plus de 30 km à l'heure, alors vous pouvez rouler à plus de 30 km à l'heure. Mais quand il y a une loi qui l'interdit, alors il y a une loi et une amende pour la sanctionner. Maintenant, la mort, la loi de la mort, c'était les commandements donnés sur le mont Sinaï qui montraient à l'homme qu'il était un pécheur. Et s'il transgressait la loi de Dieu, il mourait. Mais il n'y a pas de salut dans la loi. C'était seulement un policier qui pouvait vous mettre en prison. Elle n'avait rien pour vous en faire sortir. Mais il a aussi donné une autre loi. C'était au mont du Calvaire, où le péché a été imputé à Jésus-Christ. Et là, la peine a été acquittée. Et sans la loi, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce de Dieu, par prédestination, la préconnaissance de Dieu de votre être.
Maintenant, nous voyons ces deux lois dans le Deutéronome, où il est question de deux lois. Il y avait deux lois. L'une était la loi de la mort et l'autre la loi de la vie. Il y avait aussi deux alliances qui ont été données au peuple. Nous en parlerons demain matin. L'une a été donnée à Adam avec une condition. Si tu fais ceci et que tu ne fais pas cela. Mais cette loi a été violée. Adam et Ève l'ont violée dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a établi la seconde alliance et il a donné à Abraham. Et cette loi-là était inconditionnelle. Ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu feras. Il a dit, moi, je l'ai déjà fait. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la loi de la vie. Dieu l'a fait pour Abraham et pour sa semence après lui. C'est-à-dire, toute la semence d'Abraham. Comme la Bible le dit, tout Israël sera sauvé. Mais ça ne veut pas dire les Juifs, comme Paul disait, ceux qui sont Israël intérieurement ou Israël au dehors. Au dehors, comme on a parlé l'autre soir, c'était les enfants d'Isaac, par le sexe. Mais la loi de Dieu, c'est être à travers Christ, qui était la semence royale d'Abraham, que par grâce, tout Israël est sauvé. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en Christ sont sauvés. Tous. La seconde alliance de Dieu. Mais toutes ces choses préfigurait Christ. Maintenant, remarquez le verset 2. Le verset 2 ici dans Deutéronome 16. Adore dans le lieu que j'ai choisi. Maintenant, vous devez adorer Dieu, il a dit, dans le lieu que j'ai choisi. Pas celui que quelqu'un d'autre a choisi, mais celui que moi j'ai choisi. Or, si Dieu a choisi un endroit, alors il nous incombe de voir ce qu'il en a dit. Et où est-ce? Je veux le trouver. Parce que vraiment, je veux l'adorer. Nous sommes tous ici ce soir pour l'adorer. Nous sommes assis ce soir des méthodistes, des baptistes, des catholiques, des témoins de Jéhovah, des chrétiens scientistes et tout. Mais nous cherchons tous quelque chose. Nous voulons connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites. Vous ne savez pas comment le faire avant de savoir comment vous y prendre. Ou plutôt, vous ne savez pas quoi faire avant de savoir comment vous y prendre. Vous devez savoir ce que vous faites et comment le faire. Ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs, un endroit précis. C'est dans ce lieu-là seulement que Dieu rencontre ses adorateurs. Maintenant aussi, le lieu qu'il a choisi pour ses adorateurs, il a dit qu'il y mettrait son nom. Maintenant, parcourons l'Écriture pour trouver où est ce lieu? Certainement, si Dieu a dit qu'il mettrait son nom dans ce lieu où il a choisi de rencontrer les gens pour adorer avec eux, ou plutôt pour qu'ils l'y adorent, alors c'est quelque part dans la Bible, car c'était pour tous les âges. Et le grand Dieu qui ne change pas ne peut pas changer. L'homme change. Mais vous pouvez fonder votre vie sur n'importe quelle chose que Dieu a dit en tout temps. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. En effet, c'est la seule chose en laquelle je peux avoir confiance, c'est la Bible. En effet, la parole des hommes faillira, mais Dieu est suprême. Cette année, je devrais en savoir plus que je n'en savais l'année passée. Vous aussi, chaque jour, nous sommes limités. Donc nous avançons en connaissance. Mais Dieu est infini. Il est infini. Et comme il est infini, il ne peut pas avancer en connaissance. Il est parfait dès le départ. Chaque décision est forcément absolument juste. Et de la manière dont Dieu agit une fois, il doit agir de la même manière pour toujours, ou alors il se serait trompé quand il a agi la première fois. Si un homme n'est jamais venu à Dieu pour recevoir le salut, sur la base où il a accepté, ce doit être sur cette même base qu'on doit être accepté chaque fois. C'est vrai. Si un homme n'est jamais venu à Dieu pour avoir la guérison divine et que Dieu l'a accepté sur une certaine base, le suivant arrive, il doit l'accepter de la même manière, ou alors il s'est trompé la première fois. Dieu a donné une base sur laquelle il rencontrerait l'homme. Il a donné une base pour ce qu'il ferait, comment il le ferait. Et c'était par le sang du sacrifice d'un agneau dans le jardin d'Éden. Dieu n'a jamais changé, à aucun moment. Il a décidé comment il sauverait les hommes. Aujourd'hui, on a essayé d'y faire entrer les hommes par une instruction, on a essayé de les former dans les écoles, de les instruire, de faire des dénominations, on a essayé de faire toutes sortes d'autres choses comme cela, de les faire entrer, les baptiser, tout ce qu'on peut faire. Mais c'est toujours pareil. Dieu rencontre un homme sous le sang versé de l'agneau. C'est par le sang que Dieu l'a fait au commencement et c'est par le sang que Dieu le fait ce soir. C'est bien de faire pénitence et toutes ces choses, mais c'est seulement par le sang qu'on peut avoir le salut. Le sang, c'est la seule manière que Dieu a choisie pour sauver les hommes. Et il ne peut pas changer ça. Job avait la même chose, il savait qu'il était juste
parce qu'il avait offert le sacrifice que Dieu avait exigé de lui. Maintenant, cherchons-la pour voir où est cet endroit, l'endroit où il a mis son nom. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Alors, si on trouve quel est le nom de Dieu et où il l'a mis, à ce moment-là, on aura trouvé le lieu d'adoration. Dès qu'on aura trouvé ça, toutes ces choses, bien sûr, c'était une ombre des choses à venir. Toute la loi préfigurait les choses à venir. Tout comme la lune est une ombre du soleil, elle sert en l'absence du soleil. Tout comme l'Église doit servir en l'absence du S.O.N., le Fils de Dieu. En l'absence du Fils, la lumière mineure, l'Église, les croyants servent Dieu et donnent de la lumière en l'absence du Fils. Mais quand le soleil se lève, on ne voit plus la lune parce qu'elle s'est couchée. Elle n'a plus besoin de sa lumière parce qu'elle ne donne qu'une lumière indirecte qu'elle tire du soleil. Maintenant, c'est comme le mari et la femme, le soleil et la lune, l'Église et Christ. Et nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ, tous les sacrifices, toutes les fêtes, tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ, tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici, on va devoir trouver le bon lieu d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament ici où il a été donné et de voir ce que ces choses étaient. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme ou une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça projette une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre, c'est le négatif, il ne peut y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres, des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Donc on peut voir par les types de l'Ancien Testament où il a choisi de mettre son nom pour maintenant. Alors, comme l'image projetée sur le sol, je disais, c'est le négatif, c'est un type. Ainsi, nous, les adorateurs, nous pouvons aussi voir les ombres de l'Ancien Testament se fondre dans le positif du nouveau. Maintenant, toutes les fêtes, les jours de fête, tout le tabernacle, tout le bois, tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, tout représentait Christ en type, toutes les offrandes, toutes les lois, tout était en type de Christ. On a étudié ça maintes et maintes fois ici au tabernacle. Alors on voit à travers ça que tous les credos, toutes les églises, toutes les dénominations restent loin en arrière. Ils ne sont même pas du tout dans la course. Tous les credos, toutes les églises, toutes les dénominations sont complètement exclus. Il n'y a absolument aucune place pour eux. Il n'y a rien dans l'Ancien Testament, ni nulle part dans la Bible qui soit le type de l'Église à part l'unité forcée de la tour de Babel. C'est la seule chose qui soit le type de cette unité. En effet, elle a été faite par Nimrod, un homme mauvais qui est allé forcer tous les petits pays à se réunir autour de cette grande tour. C'était une adoration religieuse, bien sûr, mais que la parole de Dieu n'envisageait pas. Alors, c'est là qu'on trouve le type de la religion dénominationnelle dans la tour de Babel, dans l'Ancien Testament. Et cette religion était bien sûr une religion, mais ce n'était pas la religion de la parole de Dieu. Dieu n'a pas choisi de mettre son nom dans aucune dénomination. Je veux qu'on me donne le passage d'Écriture si c'est le cas. Je sais qu'il prétend qu'il a fait, mais il ne l'a pas fait. Il ne peut pas mettre son nom à plusieurs endroits, car il a dit qu'il avait mis son nom dans un seul lieu. Et ce lieu-là, chacune des dénominations aime à prétendre que c'est eux ce lieu-là, mais c'est contraire. Mais où a-t-il mis son nom? Et quel est son nom, premièrement? Nous devons trouver quel est le nom de Dieu d'abord pour ensuite trouver ce qu'il met en ce lieu-là. Maintenant, nous voyons qu'il avait beaucoup de titres. Il est appelé Père, ce qui est un titre. Et il a été appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il a été appelé la Rose de Saron, ce qui est un titre. Le Lys de la Vallée, un titre. L'Étoile du Matin, Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha. Sept différents noms composés de rédemption. Et c'était tous des titres. Aucun d'entre eux n'était un nom. Mais il a un nom. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Il a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et quand nous voyons Jésus sur terre, qui parle dans Hébreux chapitre 6, excusez-moi, dans l'Évangile de Saint Jean chapitre 6, il a dit, «
Je suis celui qui suis. Il disait, comment, tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis était celui, le buisson ardent, la colonne de feu qui était dans le buisson ardent à l'époque de Moïse. Le je suis. Et là, on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu dans le nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Donc, le nom du Père doit être Jésus. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus, parce que Jésus l'a dit, je porte le nom de mon Père. Je viens dans le nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Donc son nom était Jésus. Et Gabriel l'appelait Jésus. Les prophètes l'ont appelé Jésus. Et il était absolument Jésus avant sa naissance. Même le saint prophète lui a donné le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Puis Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde. Et quand il l'a fait, il lui a été donné le nom de Jésus. Donc, le nom c'est Jésus. Et le nom a été placé dans un homme, pas une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un homme. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu de l'adoration de Dieu, où vous l'adorez. Depuis même avant qu'il soit né, il lui a été donné le nom de Jésus. C'était tellement important que ça a été donné à sa mère par l'ange Gabriel, qu'il lui serait donné le nom de Jésus, Fils de Dieu, ce qu'il était. Alors, nous l'avons là. C'est celui-là et pas un autre. C'est pour lui seul le lieu d'adoration choisi par Dieu. Le lieu de Dieu qu'il a choisi. Dieu a choisi de rencontrer l'homme. Ce n'était pas dans une église, pas dans une dénomination, pas dans un credo, mais en Christ. C'est là le seul endroit où Dieu vient à la rencontre d'un homme et où il peut adorer Dieu. C'est en Christ. C'est là le seul endroit. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, catholique, protestant, quoi que vous soyez, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez adorer Dieu correctement, c'est en Christ. Romains 8.1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » C'est l'Évangile. Nous pouvons être en désaccord sur des credos. Nous pouvons être en désaccord sur des théories humaines. Vous pouvez aller à une église méthodiste, vous devez être méthodiste, une baptiste, baptiste, une catholique, catholique. Mais une fois que vous êtes baptisé en Christ, que vous êtes devenu un membre de son corps, il n'y a plus de différence. Les murs de séparation sont renversés et vous êtes libre parce que vous êtes en Christ Jésus. Et vous adorez Dieu en esprit, en vérité. Quand vous êtes en Christ Jésus, le plan de Dieu, c'est que vous l'adoriez en Christ Jésus. Maintenant, aucune dénomination d'Église ne peut prétendre ceci. Personne ne peut prétendre cela. Comment osez-vous prétendre de telles choses? Faire une telle chose serait d'un esprit antichrist, ce serait enlever à Christ. Lui, retrancher quelque chose. Vous ne pouvez pas faire ça. Christ est le seul lieu où Dieu rencontre les adorateurs. Il dit aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit il n'y a pas longtemps, un homme appelé à Beaumont, Texas, il disait, « Monsieur Branham, si votre nom n'est pas sur le registre de notre Église, vous ne pouvez pas aller au ciel. » Pouvez-vous imaginer ça? Ne croyez jamais une chose pareille. Ils pensent que vous devez appartenir à une certaine Église, sinon vous ne pouvez pas aller au ciel. C'est faux. Croire ça, c'est antichrist. Je dirais ceci, si vous croyez un tel esprit, vous êtes perdu. C'est une bonne preuve que vous êtes perdu, parce que c'est enlevé de ce que Dieu a fait. Dieu n'a jamais mis son nom dans aucune église. Il l'a mis dans son Fils, Jésus-Christ, quand lui et son Fils sont devenus un. C'est l'authentique lieu d'adoration. Il n'y a pas d'autre fondement de poser, pas d'autre rocher. Sur Christ, le rocher solide, je me tiens, tout autre sol est du sable mouvant. Les dénominations vont s'effondrer, tomber, les nations auront une fin, mais lui demeurera pour toujours. Pas d'autre lieu qu'un homme puisse trouver pour adorer Dieu, où Dieu lui répondra. Pas d'autre lieu qu'en Christ Jésus.
C'est le seul lieu où Dieu ait choisi de mettre son nom, et c'est le seul lieu où il rencontre l'homme pour l'adoration. Vous êtes perdus à croire quoi que ce soit d'autre. Remarquez, les sept fêtes juives étaient toutes célébrées dans le même lieu. Ils n'ont jamais célébré une fête ici pour les méthodistes, et une par ici pour les baptistes, une par là pour les presbytériens, une par ici pour les catholiques et une pour les protestants. Les sept fêtes étaient toutes célébrées dans le même lieu. C'est un très beau type ici. On vient d'étudier les sept âges de l'Église pour montrer que Dieu garde tous les sept âges de l'Église dans la parole. Parce que chaque âge de l'Église a produit une partie de la parole. Et quand il la produisait, il voyait la lumière. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne restera pas dans un de ses credos et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte, non adultérée. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Il est Dieu. Les sept fêtes devaient toutes être célébrées dans ce même lieu. On ne pouvait pas célébrer la fête ailleurs. Mais ces sept fêtes de l'année devaient être célébrées en un même lieu. C'est pourquoi les sept âges de l'Église devaient venir d'un seul et même lieu. C'était Christ qui parlait dans tous les sept âges de l'Église. C'est absolument vrai. Un type des sept âges de l'Église. Mais ils en ont fait des dénominations. Maintenant, examinons un autre type pendant qu'on y est. C'est le type de la Pâque qui préfigurait Jésus. Ici, on remarque le sacrifice du sang par la mort. Le sacrifice du sang, c'était l'endroit qui préfigurait Christ. Est-ce qu'une dénomination aurait pu saigner? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une église saigne? Qu'une dénomination saigne? Bien sûr que non. Il fallait du sang, qu'une vie saigne. Et la vie, ici Jésus apparaît dans l'agneau. L'agneau était un type de Christ. Et il préfigurait Christ parce qu'il était l'agneau de Dieu présenté par Jean qui ôte le péché du monde. Nous voyons Jésus qui apparaît ici dans Exode chapitre 12. Remarquez, c'était le seul lieu que la mort ne pouvait pas frapper. Quand la mort était sur le point de frapper le pays, il devait y avoir un lieu précis. Tous ceux qui n'étaient pas là-dessous mouraient. Un seul lieu. Maintenant, ça ne voulait pas dire que c'était une seule maison, mais il y avait un seul lieu. C'est là où l'agneau était tué. Là où il y avait le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne pouvait pas frapper. Parce que c'était le seul lieu où Dieu avait mis son nom. Et cet agneau a été nommé là-bas au début, un agneau. Remarquez, c'était le seul endroit où il ne pouvait pas frapper. Et maintenant, c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper. C'est la parole. La mort ne peut pas frapper la parole parce que c'est la parole vivante de Dieu. Mais quand vous y mettez des credos, la parole se retire, elle se sépare comme l'eau se sépare de l'huile. On ne peut pas les mélanger. Donc vous voyez, quand le credo entre dans une dénomination, ils suivent tous le credo et la parole s'éteint et passe à quelqu'un d'autre. Et la fait continuer et augmenter, elle saisit le mouvement et alors qu'elle va de la justification à la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, en avant, elle sort dans le grain. Vous voyez le chemin que Dieu a suivi. Il fait avancer son nom jusqu'au bout de la même manière parce qu'il est la parole. Remarquez, elle ne peut pas mourir. La parole de vie ne peut pas mourir. Remarquez comme c'est parfait maintenant. Il n'était pas interdit à l'ange de la mort de frapper le grand peuple intellectuel de l'Égypte. Il ne lui était pas interdit de frapper ces terres sacrées, ces grands édifices, ces pharaons, ni les prêtres du pays. Il n'était pas interdit à l'ange de frapper là. Il pouvait frapper n'importe quel édifice, n'importe quel endroit, n'importe qui, mais il ne pouvait pas frapper là où il y avait l'agneau. La mort ne peut pas frapper là où se trouve ce lieu auquel Dieu a pourvu, et ça, c'est dans l'agneau. Remarquez pas même, il ne lui était même pas interdit de frapper Israël ou ses prêtres hébreux, n'importe laquelle de leurs dénominations. Tous doivent être dans le lieu pourvu et choisi par Dieu, sinon la mort frappe. Ô Église, peu importe où vous êtes, à quoi vous appartenez, pour moi ça ne change rien. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez être en Christ, sinon vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de lui. Votre Église peut être très bien comme édifice. Votre confrérie peut être très bien humainement. Mais quand vous reniez
le corps, le sang, la parole de Jésus-Christ, vous êtes mort dès l'instant où vous le faites. C'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'est là que se trouve son nom exactement. C'est là qu'il a choisi de mettre son nom, pas dans une église, mais dans le Fils Jésus-Christ. Remarquez, il n'y avait pas de sécurité que dans l'endroit de son choix, dans son agneau et dans le nom de l'agneau. Remarquez, c'était un agneau mâle. Un lui, pas une elle, pas une église, elle, mais son nom à lui, pas son nom à elle. Là où il allait rencontrer les gens, ce n'était pas dans son nom à elle, mais dans son nom à lui, l'agneau. Maintenant, nous disons l'Église, la grande et puissante Église. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle a bravé les orages. Nous avons augmenté en nombre. Nous sommes nombreux. Nous sommes une Église puissante. Elle a du poids. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une « elle ». Il a dit « lui ». C'est lui qui est le lieu de rencontre. L'agneau. Pas l'Église. Pas son nom à elle, mais son nom à lui. Il n'a pas mis son nom à elle nulle part. Il a mis son nom à lui, en lui. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire en parole ou en acte, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons, nous marchons au nom de Jésus. Si nous parlons, nous parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Une fois, un homme discutait de ça avec moi, et il me disait, « Frère Branham, ma femme, il disait, elle, son nom est tel et tel, c'est un prédicateur, il est peut-être assis ici maintenant, et il disait, « Ma femme, elle porte mon nom. Je vais dire Jones parce que ce n'était pas Jones. » Il disait, « Eh bien, elle n'est pas obligée de se lever chaque matin, de prendre le balai, de dire, « Maintenant, je passe le balai au nom de Jones. Je fais la vaisselle au nom de Jones. Et je raccommode les habits au nom de Jones. » Il disait, « Je crois qu'il n'y a pas besoin de citer de nom du tout. » J'ai dit, « Je crois qu'il faut le faire. » C'est vrai. Il a dit, « Eh bien, elle n'a pas besoin de dire tout ce qu'elle fait. C'est au nom de Jones dès le départ. » J'ai dit, « Mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, « Viens avec moi, Jones. » Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage, une Jones. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé dans n'importe quelle autre manière que dans le nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Ensuite, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Après ça, ce que vous faites, mais vous devez d'abord prendre son nom. Il y a beaucoup de braves femmes dans cette salle ce soir. Des femmes honnêtes, respectables. Mais il n'y a qu'une Madame William Branham. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. C'est elle qui est ma femme. Il y a des braves gens dans le monde, de bonnes églises. Mais il n'y a qu'une seule Madame Jésus-Christ. Et c'est elle qu'il vient chercher. C'est là que se trouve son nom. C'est là que se trouve son adoration. En elle. Et en elle seule. C'est vrai. Oh oui, monsieur. Nous voyons que c'est vrai. Maintenant, c'est pourquoi nous, tout ce que nous faisons en parole en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, il est dit, « Car sachez-le, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel un homme doit être sauvé, seulement dans le nom de Jésus-Christ. » Amen. J'espère que vous comprenez. Le nom de Jésus-Christ, le plus haut des cieux, porte son nom. Toute la famille dans les cieux s'appelle Jésus, dit la Bible. Et toute la famille sur terre s'appelle Jésus. Alors voilà le nom que Dieu a choisi et où il l'a mis. C'est son lieu d'adoration. C'est en Jésus-Christ. Maintenant, nous savons qu'il en est ainsi. Pas d'autre lieu pour adorer qu'en lui. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel ils doivent être sauvés. Son nom est le nom de rédemption de Dieu. Dieu porte le nom de Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jiré. Le Seigneur pardonne tous tes péchés, Jéhovah Rapha. Le Seigneur guérit toutes tes maladies. Il en a beaucoup de titres, mais il a un seul nom de rédemption qui appartient à la race humaine. Et c'est le nom de Jésus. Voilà son nom qu'il a choisi de mettre. Où est-ce qu'il l'a mis? Il l'a mis en Christ. Tous les autres noms d'église, credo, titre, c'est la mort de se confier en eux. Si vous confiez à l'église méthodiste pour vous emmener au ciel, vous êtes perdu. Si vous confiez aux pentecôtistes
à l'église pentecôtiste pour vous emmener au ciel, vous êtes perdus. Et l'église baptiste, luthérienne, presbytérienne, catholique ou n'importe quelle autre, si vous vous fiez à leur nom ou à leur titre, leur credo, vous êtes perdus. En effet, vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré dans le lieu d'adoration. Amen. C'est là le seul lieu où Dieu rencontre l'adorateur. C'est le lieu où il a choisi de mettre son nom. Tous les autres, si vous confiez en eux, vous mourrez. Une autre ombre de Jésus ici, j'ai noté ça, le passage de l'Écriture. Il est préfiguré ici. Il doit être sans défaut. L'endroit où il met son nom, cet agneau doit être sans défaut. Maintenant, à quelle dénomination ou système pouvez-vous attribuer ça? À quelle église? Catholique, protestante, juive, quelle qu'elle soit, à quel système, dénomination, est-ce qu'on peut attribuer ça, être sans défaut? Tout ça, c'est rejeté, refusé. Mais il y a un lieu. Alléluia. Ce lieu, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a aucun défaut en lui. Il n'y a aucune faille en lui. Vous ne pouvez pas attribuer ça. Toutes ces gens qui essaient de le faire, de dire que leur église est sans faute et tout ça, ils sont souillés, désobéissant à la parole. Ils aiment à moitié mort, laodicéen, un credo. Mais ce n'est pas la vérité. Mais jusqu'à Pilate lui-même, son ennemi, il a dit « Je ne peux trouver rien de coupable en lui ». Son propre ennemi a témoigné de ce qu'il n'y avait rien de coupable en lui. Vous ne pouvez épingler aucun péché sur lui. Il a dit au prêtre de son temps, « Lequel d'entre vous peut m'accuser de péché? Qui peut me montrer que je suis un pécheur? Nommez-moi une seule église qui puisse dire qu'ils n'ont jamais rien fait de mal. Franchement, il n'y en a pas une seule. Presque qui n'ait commis d'un meurtre et fait tout ce qu'on peut trouver dans les faits divers, ou presque. Et pourtant, il continue à prétendre. Ce n'est pas le lieu de rencontre de Dieu pour l'adoration, dans aucun credo ni aucune dénomination. Mes amis, je ne veux pas blesser vos sentiments, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est « Sortez de cette confusion !» Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous amener? Est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n'importe lequel des autres. Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes en sécurité, protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir. Là où Dieu a mis son nom, là où il a promis qu'il rencontrerait toute personne qui entrerait, qu'il adorerait avec elle et festoierait avec elle. C'est en Christ, pas dans une église, pas dans un tabernacle, mais en Christ. C'est lui le tabernacle de Dieu. C'est lui le lieu où Dieu est entré lui-même et en qui il a demeuré. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. C'est là que Dieu a établi sa demeure, qu'il a apporté son nom et sur qui il l'a placé, Jésus-Christ. Donc son nom a été mis dans un homme, son Fils Jésus-Christ, en qui il a établi sa demeure. Et dans ce tabernacle-là, alors que en type, l'ancienne Jérusalem, les anciennes fêtes, l'ancien temple, c'était un type quand la fumée est entrée, le jour où l'arche est entrée de l'Alliance, et qu'elle s'est installée là, et la voix de Dieu s'est faite entendre de là. De même, la voix de Dieu s'est faite entendre en entrant dans le tabernacle Jésus-Christ. En effet, l'ancien, le naturel, était un type et une ombre du nouveau. Et quand il est entré en Christ, il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Et je choisirai le lieu où je mettrai mon nom, et où je rencontrerai l'homme, et où j'adorerai. » Dieu a choisi le lieu. Pas dans une dénomination d'église, mais en Jésus-Christ. Oui, monsieur, il doit aussi, comme je l'ai dit, être sans défaut. Aucune dénomination ne peut prétendre cela. Elles le font, elles sont antichristes. Maintenant, nous voyons ici, remarquez, son ombre encore. L'agneau doit être gardé. Ça se trouve dans Exode 12, si vous le notez. Exode 12, 3, 6. L'agneau doit être gardé pendant 4 jours. Pour être examiné, pour voir s'il est digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné maintes et maintes fois pendant 4 jours pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie, pour voir si l'agneau a quelque chose qui ne va pas. Il doit être gardé pendant 4 jours. Maintenant, remarquez, il y a peut-être parmi vous qui pensaient que c'était un peu le 14. Mais souvenez-vous, il prenait l'agneau le 10e jour du mois, il le tuait le 14e jour du mois. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il était gardé pendant 4 jours. Maintenant, Jésus, le nom de Dieu, l'agneau, est entré à Jérusalem et il n'en est ressorti qu'après sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Il a été gardé sous le regard des critiques pendant 4 jours et 4 nuits.
comme cet agneau était parfaitement typifié, gardé pendant 4 jours. C'est là que Pilate a dit, je ne peux rien trouver en lui de coupable. Une autre ombre de lui, aucun de ses os ne pouvait être brisé. Ce qui était parfaitement, quand ils mettaient à mort le sacrifice, ils n'avaient pas le droit de briser un os, sinon il était refusé. Et ils avaient déjà levé le marteau pour briser les os des jambes de Christ, quand ils ont dit, il est déjà mort, et ils lui ont percé le côté, et ils ont trouvé du sang et de l'eau. Remarquez encore une autre chose glorieuse ici. Je ne voudrais pas la laisser de côté, car il était représenté dans les offrandes, l'offrande de farine. Je me souviens qu'une fois, il y avait une école dans la Bible qu'on appelait l'école des prophètes. Et c'était toute une école. Et on voit qu'un jour, Élie est allé là-bas à cette école et ils l'ont prié de partir. Il disait, « Quand tu es là, c'est trop exigeant. » Alors il voulait qu'il s'en aille. Et ils sont sortis pour aller lui chercher à dîner. Et un groupe de prêtres sont sortis, ou des prophètes, pour aller chercher des pois pour lui préparer à dîner. Et ils sont allés ramasser un grand tablier tout plein. Et quand ils sont revenus, c'était des coloquins sauvages, ce qui est du poison. Et ils les ont jetés dans le pot. Le potage s'est mis à bouillir. Et quelqu'un a dit, « Hélas, la mort est dans le pot. Maintenant, on ne peut même pas manger. » Et il y a dit, « Apportez-moi une poignée de farine. » Et il a pris la farine et l'a jetée dans le pot. Et il a dit, « Mangez, le pot est guéri. » L'offrande de farine, c'était Christ. Chaque grain devait être pareil. Chaque petit morceau de farine devait être moulu pareil. Pour l'offrande de farine, montrant qu'il est le guérisseur, il substitue, enlève la mort et met la vie par les deux lois. Alléluia, là où il y a la mort, à un endroit, quand Christ entre, la vie entre. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et là où il y avait la mort, c'est devenu la vie, parce qu'on y fait entrer Christ, l'offrande de farine. Quelle grande leçon ces choses feraient si on prenait le temps de les voir en détail. Maintenant, remarquez, pas une seule parole des ombres ne faillit. Jamais une seule parole n'a failli de l'ombre. Tout typifié parfaitement. Il est le lieu d'adoration que Dieu a choisi et le nom de Dieu lui est donné. Il est le lieu d'adoration de Dieu et le nom de Dieu lui est donné. Il est la parole de Dieu et il est le nom de Dieu. Il est à la fois la parole de Dieu et le nom de Dieu. Il était la parole faite chair. Il était la parole de Dieu, l'agneau de Dieu, le nom de Dieu et il était Dieu. Voilà ce qu'il était, le lieu choisi et le seul pour adorer Dieu. Et Dieu refuse tout autre lieu que dans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas l'adorer nulle part. Il a dit, c'est en vain qu'il m'adore en enseignant comme doctrine les commandements d'hommes. Aujourd'hui, on a des credos, des dogmes, tout ce qui enseigne ceci est le chemin, cela c'est le chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir à Dieu que par moi. Autrement dit, je suis la porte de la bergerie. Tous ceux du dehors sont des voleurs. Il est la seule approche. Il est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie, tout ce qu'il y a. La seule entrée, le seul lieu, la seule adoration, le seul nom. Tout est relié à Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament lui est relié. Le Nouveau Testament lui est relié. Et l'Église aujourd'hui lui est reliée par la parole de son commandement. Il n'y a aucun autre lieu, aucun autre nom, ni nulle part où Dieu ait jamais promis de rencontrer l'homme rien qu'en Jésus-Christ, le lieu d'adoration qu'il a choisi. Remarquez, Dieu n'a promis de rencontrer ses adorateurs que dans ce lieu-là seul. Et c'est par son propre choix, pas par notre choix, pas selon notre pensée, mais selon sa pensée à lui, son choix à lui. Et ce serait le lieu où il mettrait son nom, le lieu qu'il choisirait. Alors on voit qu'on trouve où était son nom, ce qu'il a choisi, par son propre choix. Maintenant qu'on a trouvé le lieu où il a mis son nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et il n'y a aucun autre lieu, ni aucun autre nom. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Dites Amen. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si on trouve où est ce lieu, le lieu d'adoration n'est accepté nulle part seulement en Christ. Vous pouvez vous repentir, vous pouvez faire ça, mais vous n'adorez pas encore. Vous demandez pardon. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, quand ils les ont tous vus en train de parler en langue et qu'ils se produisaient de grands prodiges et des miracles, ils se sont mis à rire. L'Église l'a fait en disant, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils se comportent comme des gens ivres. Marie, la Vierge et tous, ils étaient ensemble. Ils étaient sans vin. Ils titubaient comme des hommes ivres. Ils parlaient en langue et faisaient ces choses bizarres. Ils disaient, ces hommes sont pleins de vin doux. Mais Pierre s'est levé et il a dit, homme frère, ces hommes ne sont pas pleins de vin doux, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël.
Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes servantes et ma servante, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et sur la terre du feu, des colonnes de feu, des vapeurs de fumée. Il arrivera, avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand ils entendirent ceci, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, « Homme frère, que pouvons-nous faire ?» Pierre dit, « Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour toutes les générations futures. » Maintenant, on trouve ça. Maintenant, nous voulons voir comment entrer en lui. Comment est-ce qu'on entre dans ce lieu d'adoration? 1 Corinthiens 12 règle la question. Car par un seul esprit, pas par une seule église, pas par un seul credo, pas par un seul pasteur, pas par un seul évêque, pas par un seul prêtre, mais par un seul Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps, qui est le corps de Jésus-Christ, et sujet à tous les dons qui se trouvent dans ce corps. Oui, monsieur. Pas par une adhésion, pas en récitant des credos, en se faisant gonfler, en se laissant tomber, en serrant la main, rien d'autre. Mais c'est par naissance que nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Par un seul Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et qu'est-ce que ce corps? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Comment pouvons-nous être dans ce corps et en nier une seule parole ou la placer quelque part ailleurs, même pas dans le corps? Comment pourrions-nous faire cela? Le lieu choisi par Dieu, remarquez. Et quand vous êtes vraiment baptisé en lui, la véritable évidence, c'est que vous le croyez, lui, la parole. Comment pouvez-vous être une partie de lui et ensuite le renier? Comment est-ce que je peux nier que ma main, c'est ma main? Si je fais ça à quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi, mentalement, comment puis-je? S'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi mentalement parce que je nie que c'est ma main, alors je nie que c'est mon pied. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond spirituellement chez le croyant qui nie toute parole que Dieu a jamais dite et promise. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond spirituellement chez ce prétendu croyant. Vous ne pouvez pas nier une seule lettre de lui parce que vous êtes devenu une partie. Vous êtes une partie de lui parce que vous êtes baptisé en lui. Par le Saint-Esprit, il vous a fait entrer dans le corps de Jésus-Christ. Comme c'est beau! Dieu avait un certain lieu où il rencontrait Abraham. Et c'est là qu'Abraham adorait, tout le long du Testament. Et sa parole promise sera interprétée en vous, par lui. Est-ce que vous avez saisi ça? La parole qu'il a promis d'accomplir dans le jour où vous vivez, vous serez une épître écrite de Dieu. Lu de tous les hommes, non pas ce que vous prétendez, mais ce que Dieu fait à travers vous parlera plus fort que tout ce que vous pourriez prétendre. Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça parle à travers vous. Il a parlé de cet âge-ci, de ce qu'il y aurait maintenant. Les croyants de cet âge-ci doivent croire ceci, ce qu'il a promis aujourd'hui. Tout comme ils devaient entrer dans l'arche pour être sauvés, sortir d'Égypte pour être sauvés, ils doivent entrer en Christ pour être sauvés maintenant, entrer dans le message, parole, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment y entrez-vous? Par le baptême. Le baptême de quoi? D'eau? Par le Saint-Esprit. Un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce seul corps. Et sa parole promise, il ne va pas, vous n'aurez pas l'interprété. C'est lui qui l'interprétera à travers vous. Ce que vous faites, ce qu'il a promis de faire, l'Église qui le suit sera tellement semblable à lui que les gens sauront. Regardez Pierre et Jean, quand on les a questionnés au sujet de ce qu'il avait guéri un homme à la porte appelé Labelle, ils ont dit qu'ils ont vu les sacrificateurs là, ils ont vu que c'était des hommes du peuple sans instruction, mais ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Pourquoi? Ils faisaient les choses qu'il avait faites. Il devait s'occuper des affaires du Père. Et aujourd'hui, ça doit être pareil. Maintenant, souvenez-vous, il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Car Dieu vous rencontre en lui, le seul lieu qu'il y ait. Car c'est là qu'il a choisi de mettre son nom. En Jésus. Jésus est le nom de Dieu. Souvenez-vous, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres du nom Jésus-Christ.
Quand Matthieu a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », comme on l'a mal interprété aujourd'hui en disant « au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit », ce n'est même pas écrit. C'est « au nom, au singulier, du Père, Fils, Saint-Esprit ». Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est un titre. 10 jours plus tard, Pierre s'est levé et il a dit « Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ ». Alors est-ce qu'il faisait ce qu'il lui avait dit de ne pas faire? Il a fait ce qu'il lui avait dit de faire. Le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Chaque personne dans le Nouveau Testament a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas une seule personne dans la Bible n'a jamais été baptisée dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'est pas apparu avant le credo de Nicée, à Nicée, Rome. C'était un ordre de l'Église catholique qui se trouvait, c'est confirmé dans le catéchisme. Je l'ai trouvé. C'est vrai. Les réalités de notre foi, et ainsi de suite, que c'est absolument un credo catholique romain. Ils vous diront que ce n'est pas dans la Bible, mais ils disent qu'ils ont le pouvoir de changer ces mots-là, s'ils le veulent, à cause du pape. Je ne suis pas d'accord. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et quiconque retranchera un mot de cette Bible, a dit Jésus, ou y ajoutera un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Un seul mot, pas une phrase ou un paragraphe, mais un mot, quiconque retranchera un mot. Au commencement, Dieu a fortifié son peuple avec sa parole. Un seul mot, mal interprété, a provoqué toutes les morts, tous les cœurs brisés, toutes les peines. Ève, ce n'est pas une phrase qu'elle a désobéi, c'est à un mot qu'elle a désobéi. Quand Jésus est venu au milieu du livre, ça c'était le début du livre. Quand Jésus est venu au milieu du livre, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À la fin du livre, Apocalypse 22, verset 18, la toute dernière partie de la Bible, Jésus lui-même parle et il dit, « Je rends témoignage que si quelqu'un retranche un seul mot de ce livre ou y ajoute un seul mot, sa part sera retranchée du livre de vie parce qu'il est un faux prophète et qu'il a donné une fausse interprétation aux gens et leur sang sera redemandé de sa main pour avoir fait ça. Nous devons garder ce lieu d'adoration, c'est-à-dire Jésus-Christ la parole, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Très bien. Souvenez-vous qu'il n'y a aucun autre lieu de rencontre pour adorer, pas un endroit. C'est Dieu qui l'a choisi. Jean, là-bas, il y a bien longtemps, à la charnière entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Écoutez bien maintenant. Soyez bien attentifs. Jean, ce grand aigle, est arrivé du désert en volant un jour, ses grandes ailes étendues. Il s'est posé sur la rive du Jourdain. Un grand prophète aigle qui faisait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il les a appelés de la droite et de la gauche. Il convoquait un jour de repentance. Quand les pharisiens et les sadducéens sont sortis, il a dit, « Ne commencez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, parce que je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. » Oh là là! Quand il s'est mis à proclamer son évangile et qu'il disait, « Il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas. Je ne l'ai pas encore identifié, mais je le reconnaîtrai quand il viendra. Je ne suis pas digne de délier son soulier. » Mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il a son vent à la main. Il nettoiera complètement son air. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ce grand aigle de l'Évangile était là. Et il croissait ses grandes menaces. Et la souillure, il criait ses menaces. Et la souillure est sortie où Hérode, l'empereur de ce temps-là, le proclamateur qui avait épousé la femme de son frère. Est-ce que vous pourriez imaginer que ce grand aigle de l'Évangile reste assis là et qu'il se tairait? Il y en a qui disaient, ne prêche surtout pas sur le mariage et divorce maintenant, Jean, parce qu'Hérode est là. Il est allé lui dire en face, il ne t'est pas permis de la voir, c'est ça. Qui était-il? Il était cet aigle, venu du désert. Il n'avait pas été formé sous la peur et les menaces de l'homme, d'une dénomination quelconque, mais il avait été formé sous la puissance du Dieu Tout-Puissant pour reconnaître ce qu'il allait y avoir. Il connaissait l'identification du Messie. Alléluia! Ce mot veut dire, louez notre Dieu, n'ayez pas peur, je n'ai encore fait de mal à personne. Je ne suis pas excité, je sais exactement où j'en suis. Oh, quand je pense à lui, ce grand aigle qui est arrivé là en volant et qui s'est posé. Il a dit, je le reconnaîtrai quand il viendra. Un jour, il était là en train de prêcher.
Les sacrificateurs étaient de l'autre côté. Ils disaient, tu veux dire qu'il viendra un temps où le sacrifice perpétuel sera enlevé? Ce grand temple qu'on a construit et tout le travail qu'on a fourni, nous, la grande dénomination, il a dit, il viendra un temps où tout ça sera éliminé. Ça ne se peut pas, tu es un faux prophète. Et il a regardé autour de lui, il a dit, voici, il est là. Voilà le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Voilà l'agneau, le véritable agneau qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici venir le méthodiste, voici venir le baptiste ou le catholique. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La seule zone protégée qui existe, c'est dans cet agneau de Dieu. C'est en lui seul qu'il y a le salut. Dans aucune église, aucun credo, aucun peuple, aucun père, mère, aucun saint homme, rien, aucun saint Dieu. C'est dans le Dieu saint, le Seigneur Jésus-Christ, où Dieu a fait résider son nom sur un être humain pour la rédemption, celui qui a payé le prix pour nous pécheurs. C'est le seul endroit qu'il y a le salut. Voilà le rocher sur lequel je me tiens. Jean l'a identifié. Il a dit, je ne le connaissais pas quand je l'ai vu s'approcher. Mais là-bas où j'ai fait mes études, pas au séminaire comme son papa, pas comme le sacrificateur formé, mais dans le désert où il était au séminaire théologique du Dieu Tout-Puissant, à attendre la parole de Dieu, pas ce qu'un groupe d'hommes avait concocté, mais ce que Dieu en avait dit. Et quand Jean a levé les yeux et qu'il a vu venir l'Esprit, il a dit, « Je rends témoignage, c'est lui !» Alléluia. Voilà votre lieu d'adoration. Voilà votre refuge. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas une église, un credo, quoi que ce soit, mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez comment Jean a classé ça. Il n'a pas dit, c'est vous les pharisiens qui avez raison, ou les sadducéens, les hérodiens. Il a dit, voilà l'agneau, voilà le Dieu, il a le nom. Il est celui-là. Aucun autre nom sous le ciel. Regardez ce que Jésus a dit de Jean maintenant. Un jour, Jean a envoyé voir ce qu'il faisait. Jésus a dit de lui, il était cette grande lumière qui a lui, pour leur montrer le droit chemin qu'ils devaient suivre avant son avènement. Son premier avènement, écoutez attentivement, ne le manquez pas. Jésus a dit, Jean était cette lumière. Malachie 3, pas d'erreur, le prophète, avec la grande lumière brillante, a identifié Jésus comme étant le seul, l'agneau. Tous les autres agneaux dont parlaient ces sacrificateurs et toutes ces autres choses n'ont aucun sens. L'agneau était là, l'homme avec la grande lumière qui luisait. Jésus a dit qu'il l'était. Malachie 3 a dit, « J'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. » Et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin a identifié que le lieu, c'était lui. C'est lui, il n'y a pas d'erreur, c'est lui. Je vois le signe qui le suit. Je sais que c'est lui. Une lumière descend du ciel et vient sur lui. Il n'y avait pas de doute que c'était lui. Alors, mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci, dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Saint-Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. Dieu a choisi son lieu. Jean a dit, le voilà. Et puis, il nous est promis la même chose aujourd'hui. Malachie 4, pour amener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort, que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Le baptême au nom de Jésus, ce n'était pas pour une époque reculée, mais il est le même maintenant. Anéantir tous les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, ça n'a pas de sens. Que la dénomination, c'est de la folie. Mais de leur montrer de nouveau, avec le même signe qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Et également dans Apocalypse 4:7, on a vu quatre êtres vivants qu'on vient juste d'étudier. Le premier, on a vu que c'était le lion
C'était le premier être vivant qui s'est avancé pour relever le défi de ce jour-là, le lion de la tribu de Juda. Après lui, l'être vivant suivant est venu. Et on a vu que l'être suivant, c'était un bœuf, qui est une bête de somme, un sacrifice. Au jour de la cathédrale romaine, l'église s'est éteinte. Un sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était un homme, un être vivant avec la face d'un homme, et cet homme, c'était le réformateur, l'instruction de l'homme, la théologie, et ainsi de suite. Mais le dernier être vivant qui devait voler, le dernier être vivant qui devait venir, la Bible a dit que c'était un aigle qui vole. Alléluia. Et le prophète a dit qu'en ce jour-ci, la lumière paraîtra. Alléluia. En ce jour-là, il y aura de la lumière. Il y a eu un jour des réformateurs. Il y a eu un jour qui n'était qu'une ombre. On ne peut dire ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, au temps de l'aigle, il y aura de la lumière au temps de l'aigle. Le sentier de la gloire, tu le trouveras certainement. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit vous baptisera certainement à l'intérieur. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Oh, il y aura de la lumière au temps du soir, le seul lieu choisi par Dieu pour adorer. Oh, qu'est-ce que ce message est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et en son jour, au temps du soir, la lumière paraîtra. Pourquoi? Pour accueillir ces enfants qui rentrent à la maison dans la véritable terre promise, par le même signe de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Le lieu choisi par Dieu pour adorer, Jésus-Christ. C'est le seul lieu qu'il y a. C'est le seul nom que Dieu a pour le salut. C'est le nom qu'il a donné à la famille au ciel quand elle est sur terre, c'est Jésus-Christ. Ô Église, ô peuple, amis pécheurs, ne vous confiez en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Ne vous confiez en aucun prédicateur. Ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. Ne vous confiez dans aucune église, aucun credo, aucune dénomination. Confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'heure. Courbons la tête. Il y aura de la lumière au temps du soir. Le sentier de la gloire, tu le trouveras certainement. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Oh, frères, sœurs, si vous n'êtes pas encore repentis, si vous n'avez pas encore été baptisés au nom de Jésus-Christ, voulez-vous prendre ce départ ce soir? Voulez-vous donner à Dieu l'occasion de vous accueillir dans le lieu où vous pouvez l'adorer? Souvenez-vous, hors de là, il n'y a aucun endroit où Dieu a promis de vous rencontrer et d'accueillir votre adoration. Vous dites, frère Branham, j'adore en toute sincérité. Caïn aussi. Il a fait toutes les sortes d'offrandes qu'Abel a faites, mais c'était la mauvaise offrande. Vous pouvez bien aller à l'église et payer vos dîmes et vous acquitter de votre devoir comme un chrétien doit le faire, avec tout autant de sincérité que n'importe quel homme ou femme. Voilà maintenant une trentaine d'années que je suis ici autour de cette ville à crier le même message. Je me fais vieux. Je ne peux pas rester encore très longtemps avec vous, mais souvenez-vous, au jour du jugement, ma voix est enregistrée et elle s'élèvera contre vous. Il n'y a qu'un seul lieu où Dieu met son nom. Et ce n'est pas dans une église, mais en Jésus. Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration, qu'un seul lieu où vous êtes reçu, et c'est dans le bien-aimé, Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel être sauvé, aucune église, credo, rien du tout, Jésus-Christ. Et c'est ça qui doit être le message de l'heure. Ramener les cœurs des enfants, les ramener à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ne voulez-vous pas l'accepter ce soir? Et pendant que nous avons la tête inclinée, ceux qui aimeraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, voulez-vous simplement lever la main? On ne peut pas faire d'appel à l'autel parce qu'il y a simplement trop. Que Dieu vous bénisse. Oh là là, à ma gauche, je crois, il y a 300. Maintenant, à ma droite, voulez-vous lever la main et dire, je veux qu'on se souvienne de moi. Je pense qu'il y a 150 en plus là à ma droite. On a un tabernacle près d'ici avec un grand bassin rempli d'eau. Un pasteur, un bon pasteur, frère Orman Neville, des associés,
Ces hommes autour ici que vous voyez, que vous rencontrez n'importe quel jour, n'importe quel soir, à n'importe quelle heure, quand des gens veulent être baptisés, qui se sont repentis, c'est toujours prêt. Et si vous obéissez à ce commandement, vous êtes sûr, par une promesse de Dieu, si vous êtes sincère dans votre cœur, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. Et ça, ce n'est pas dans le tabernacle. C'est en Christ. Comment est-ce qu'on entre en lui? Par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans ce seul corps. Prions. Cher Dieu, alors que ces mains se sont levées, elles ont montré ce qu'il y avait derrière cette main dans le cœur, une conviction de ce qu'ils sont sûrs qu'ils ont besoin de ton aide. Je prie pour chacun d'eux, Père, et je vais citer ta parole. Tu as dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Père, après avoir quitté la ville pendant seulement quelques semaines, et en revenant, j'ai demandé, « Et celui-ci? » Eh bien, ils sont partis. Et qu'en est-il? Ils sont partis. Cher Dieu, un par un, nous sommes appelés. Un par un, nous devons relever le défi de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et nous devons tous passer par là en tant que mortels. Mais ce soir, tu nous as proposé ta demande que si nous croyons en lui et que nous nous faisons baptiser en son nom, tu nous feras entrer. Et alors dans ce corps, le corps de Christ, pas dans l'Église, mais dans le corps de Christ, ce corps a déjà été jugé. Il n'aura pas à passer par le jugement. Dieu a déversé sa colère sur ce corps. Et ce corps est exempt, libre du péché. Et en étant en lui, ça nous rend libres du péché par l'expiation de celui qui est mort pour nous. Et là, nous avons communion les uns avec les autres, alors que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous garde pur de tout péché, de toute souillure. Père Dieu, je te prie de faire entrer chacun d'eux dans ton royaume. Accorde-le, ô Dieu, qu'il n'en ait pas un seul perdu, qu'il n'en ait pas un seul garçon, fille, homme ou femme. Seigneur, il y a des gens de ma propre famille qui sont assis ici ce soir et qui ne sont pas sous ce sang. Combien je me rappelle clairement les mots de mon papa. Et je prie, cher Dieu, qu'aucun d'entre eux ne soit perdu. Accorde-le, Seigneur. Je crois en toi maintenant, avec tout ce qu'il y a en moi pour croire. Agis sur mes frères, sœurs, mes amis, ici, dans cet endroit ce soir et là-bas, à travers le téléphone. Il y a plusieurs États qui sont à l'écoute, partout, de la côte est jusqu'à la côte ouest. Je prie, Dieu bien-aimé, tout là-bas, de l'autre côté des déserts, à Tucson, là-bas en Californie, là-haut, au Nevada, en Idaho, tout là-bas dans l'est et autour, là-bas au Texas. Alors que cette invitation est lancée, il y a des gens assis dans des petites églises, des stations-service, des maisons, en train d'écouter. Oh Dieu, que cet homme ou cette femme perdue, ce garçon, cette fille, qu'il vienne à toi en cette heure même, accorde-le, maintenant même. Nous le demandons au nom de Jésus, qu'il trouve ce lieu de sécurité pendant qu'il est temps. Alors que nous voyons l'écriture sur la muraille, la terre qui s'agite, le temps de la délivrance est proche. Une partie de notre pays s'enfonce, l'autre partie est secouée d'explosions, de tremblements de terre, comme Jésus a promis qu'il en serait. Que ce ne soit pas trop long pour eux, Seigneur. Qu'ils l'acceptent maintenant, car nous te les présentons comme des trophées de la réunion, de l'Évangile, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui croient que c'est la vérité à ma gauche, levez la main. Tous ceux qui le croient à ma droite, levez la main. Que Dieu vous bénisse. D'après ce que je peux voir, c'est tout le monde. C'est la vérité, les amis. Dieu sait que c'est vrai. Maintenant, quand vous êtes en lui, et parce que vous êtes en lui, vous avez accès à tout ce pourquoi il est mort. Et pourquoi est-il mort? Il fut blessé pour nos transgressions. Brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Croyez-vous cela? Croyez-vous en son expiation pour la guérison maintenant? Est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Qu'ils lèvent la main, à droite ou à gauche.
des grandes masses de maladies. Je ne peux pas former la ligne. Vous voyez, impossible de monter sur l'estrade. Il n'y a aucun moyen de le faire. Ils font des réunions de prière là-bas, aux autres endroits, pour les malades, dans les églises et tout, au tabernacle. Je vais vous demander quelque chose. Combien y a-t-il de croyants? Levez la main. Très bien. Je vais vous citer la parole qui est Christ. La dernière commission de Jésus au monde, et à l'Église plutôt, c'était celle-ci. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Tous ceux qui savent que c'est vrai, Marc 16 dit Amen. Très bien. Je vous demande, en tant que croyant, d'imposer les mains à quelqu'un qui se trouve devant vous. Imposez simplement les mains à quelqu'un qui est devant vous. Et prions tous une prière les uns pour les autres maintenant. Mettez les mains sur quelqu'un près de vous. Seigneur, il y a une boîte de mouchoirs ici devant moi, des petits morceaux d'étoffe, une brave maman étendue quelque part en train de mourir, un bébé à l'article de la mort, des malades partout. Nous lisons dans la Bible qu'on prenait de sur le corps de Paul des mouchoirs et des tabliers et qu'on les appliquait sur les malades et les mauvais esprits et les esprits impurs, les maladies, les affections quittaient les gens. Maintenant, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas Saint Paul, mais nous savons que tu es toujours Jésus, le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, ces personnes ont confessé avoir la même foi, qu'ils croient la même chose que ces gens-là. Certainement, tu as préparé le moyen pour eux. Et je pose mes mains sur ces mouchoirs en demandant que les maladies et les afflictions quittent le corps des personnes sur qui ils vont être appliqués au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il nous est enseigné que quand Israël sortait de l'Égypte, comme ils devaient le faire, sur le chemin du devoir, qu'ils étaient en chemin vers la terre promise, la mer rouge leur a barré le chemin. Et Dieu a abaissé les regards à travers la colonne de feu, et la mer a pris peur. Elle s'est retirée. Elle a laissé Israël traverser vers la terre promise. Oh Dieu, abaisse les regards à travers le sang de Jésus ce soir, et que la maladie se retire, et que Satan soit chassé, et que les gens traversent vers cette promesse de bonne santé et de force. Comme Dieu a dit par-dessus toute chose, je souhaite que tu prospères en bonne santé. Maintenant, alors que tu vois là, Seigneur Jésus, les mains de ces personnes imposées les uns sur les autres, elles symbolisent leur foi. En ce que tu as dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. Ils prient à leur manière à eux, les uns pour les autres. Leurs voisins prient pour eux. Maintenant, Seigneur, ce défi a été relevé. Satan, le grand bluffeur, n'a aucun droit de retenir un enfant de Dieu. Il est un être vaincu. Jésus-Christ, le seul lieu d'adoration, le seul vrai nom, l'a vaincu au calvaire. Et nous invoquons son sang maintenant même, par lequel il a vaincu toute maladie, toute affection. Et je conjure Satan de quitter cet auditoire au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens et qu'ils soient libérés. Tous ceux qui acceptent leur guérison sur la base de la parole écrite, rendez-en témoignage en vous levant et en disant, j'accepte maintenant ma guérison au nom de Jésus-Christ. Levez-vous. Gloire à Dieu. Voilà. Regardez par ici des infirmes et tout qui se lèvent. Gloire à Dieu. C'est ça. Croyez simplement. Il est ici. Comme c'est merveilleux. Là-bas, dans l'auditoire, à l'extérieur, par les ondes, vous devriez voir. Je pense que tout le monde ici, autant que je sache, la plupart d'entre eux sont debout en ce moment-ci. Quel moment merveilleux! La présence du Seigneur! Voilà, là où il y a la présence du Seigneur, il y a la liberté. On est libre. L'Esprit de Dieu nous rend libres. Maintenant qu'il nous a guéris, nous le croyons. Il nous a sauvés, nous le croyons. Ceux qui veulent être baptisés, le bassin est prêt. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure où vous venez venir, il y aura quelqu'un pour s'en occuper. Maintenant, je pense qu'avant de terminer, on devrait chanter un bon vieux cantique de l'Église. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Levons les mains vers Dieu et chantons-le de tout notre cœur. Nous aimerions vous retrouver ici demain à 9h30 dans le même bâtiment pour le sujet de mariage et divorce. Très bien, chantons-le ensemble. Que ce grand auditoire le chante maintenant.
là-bas par les ondes, chantez-le aussi. Où est-ce que ça a été fait? Sur le bois du calvaire. Pendant que nous le chantons encore une fois, je voudrais que vous serriez la main de quelqu'un près de vous en disant que Dieu te bénisse, pèlerin. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? Est-ce qu'il est votre refuge? Il est un rocher dans un pays aride, un abri à l'heure de la tempête, le seul refuge que je connaisse. C'est pourquoi ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière, enlève toute ma culpabilité, que je sois dès ce jour entièrement à toi. Levons les mains en le chantant. Courbons la tête maintenant pendant que nous le fredonnons. Et dans le labyrinthe sombre de la vie, entouré de malheurs. Oh, sois mon guide. Ordonne que ces ténèbres se changent en lumière. Viens essuyer mes larmes. Que jamais loin de toi, je ne m'égare. Pendant que vous avez la tête inclinée, notre bien-aimé pasteur, frère Roman Neville, terminera la réunion.